Yo l'équipe c'est Fry, j'espère que vous allez bien, mon tria comme d'habitude, ça pète l'enfant. Moi je vous dis à tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online où les gars, on va se retrouver pour une vidéo que vous m'avez vraiment vachement demandé puisque ce sera pour une tenue modée magnifique à faire, super facile, qui va pas vous coûter beaucoup d'argent. En tout cas c'est une tenue vraiment propre, je vous dis c'est pas du outfit ou quoi, c'est pas une tenue où vous allez avoir des parties manquantes etc. Mais c'est juste une tenue qui est vraiment très propre, style militaire mais différente de celle que j'ai déjà présentée en tenue militaire. Elle est juste magnifique, elle est en 100% solo, elle est facile à faire les gars, sera accessible à tout le monde, donc faites-vous plaisir la team. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner les gars, autant que les 800 likes, n'hésitez pas à la partager à tous vos potes, ça fait toujours plaisir. Et pour les glitch d'argent les gars, ça va arriver, mais pour l'instant il n'y a plus rien qu'en solo, donc les gars on attend que JPK soit en solo, ne vous tracassez pas, ça arrive vite les frérots, je pense à vous, ça fait à peine un jour qu'on a fait une petite vidéo et là vous me manquez déjà, j'espère que c'est réciproque. C'est parti la team, on va se retrouver une session n'importe laquelle dans un magasin de vêtements. On va aller dans les pantalons, dans les treillis, et en premier lieu on va prendre le treillis, hop, le pêche forêt. Voilà. Le founder de la tenue est en description la team. Dans les vêtements, vous allez dans les blousons courts et vous allez descendre les gars. Normalement ce sera en veille sur 57. Voilà, donc on descend, on descend, on descend, on descend. Et on va prendre le pilote fermé marron. Juste comme moi, c'est nickel. Voilà. Ensuite vous allez aller dans les chaussures, dans les bottes. Et vous allez prendre les mêmes bottes que moi à chaque fois la team. Maintenant forcément là je vous montre, là c'est les bottes tactiques désert que vous prenez. Je vous montre une sorte de tenue, si vous voulez un petit peu modifier la tenue, il n'y a pas de problème, à vous de choisir, il n'y a pas de souci là. Moi je vous montre une sorte de tenue, mais si vous voulez la modifier, il n'y a pas de problème. Dans les gants, vous allez prendre les gants tactiques noirs, juste comme moi. Voilà, je vous montre vraiment tous les emplacements de chaque élément parce que au moins vous savez un petit peu comment, où ça se trouve, etc. Voilà, donc pas besoin d'avoir d'accessoires sur la tête parce que pour l'instant ça ne sert à rien, on en mettra après. Et vous allez tout simplement sauvegarder la tenue les gars, n'importe où, moi je l'ai appelé désert, appelez-la comme vous voulez. Voilà. Ensuite quand vous aurez sauvegardé la tenue, on va se retrouver au masque Vespucci, tout simplement, rien de plus facile. Voilà, donc sauvegarde bien la tenue, surtout bien à chaque fois sauvegarder la tenue. Là je vous ai montré où était le masque Vespucci, on va se retrouver dans les masques et on va descendre dans... les foulards, donc là je m'étais trompé, c'est pas grave, on va descendre dans les foulards. Voilà. Dans les foulards les gars, il va falloir aller au 39 sur 67 si je me trompe pas. Donc vous descendez. Pour trouver les chiffres, c'est en haut à droite. Regardez à droite des foulards les gars, là je suis à 23 sur 67 et vous descendez jusqu'à 39 sur 67. Voilà, on descend, on descend, on descend, on continue jusqu'à avoir un foulard rouge et blanc. Donc le couvert rouge à motif. Voilà, donc déjà je trouve que là elle ressemble déjà à quelque chose, elle est belle, mais vous ne vous tracassez pas, on va rajouter certaines petites choses modées. Encore une fois, j'ai bien expliqué que les gars, c'est pas une tenue modée de fou, mais elle est magnifique, je la trouve vraiment superbe. Et bah, justement, n'oubliez pas de sauvegarder la tenue, les gars. Justement, il y en a beaucoup qui me demandent des tenues faciles à faire, donc la voici, elle est facile. N'oubliez pas, je répète encore, mettre bien à chaque fois sauvegarder les tenues. Au niveau des lunettes, les gars, vous devrez être dans les lunettes de sport, ils prennent les mêmes lunettes que moi. Avant de vraiment finir le glitch, il faut surtout aller chercher chaque élément de la tenue. Comme ça, après, vous avez une tenue et vous pouvez la finir. Excusez-moi. Vous allez prendre les lunettes hors la loi marron. Vous les achetez. Voilà. Quand vous aurez acheté ces petites lunettes-là, vous allez vous diriger vers un ammunition. Voilà. Un magasin d'armes. Et dans le magasin d'armes, vous allez prendre un parachute dans les sacs carnets. Et vous allez prendre un sac carnet combat bre clear. Voilà, c'est important. Quand vous aurez tout ça, on va pouvoir continuer la tenue. Donc encore une fois, voilà, la tenue de tantôt. Et ce que je vais devoir faire, c'est courir vers ces longues vues. Il y en a partout, il y en a des appartements à l'océan. Et je vais devoir faire flèche de droite quand il est mis en haut à gauche, flèche de droite, pour regarder la longue vue. Donc vous courez vers une longue vue, vous faites flèche de droite. Et si votre personnage ne regarde pas dans la longue vue, c'est-à-dire que vous avez bien fonctionné et vous avez bien vu que mon foulard s'est enlevé. Maintenant je vais aller dans les styles, accessoires. Et dans les lunettes, je vais remettre les lunettes que j'ai achetées tantôt, c'est-à-dire les lunettes hors la loi marron. Les voici. Regardez bien, je vais m'éloigner un petit peu des longues vues et boum, mes lunettes se mettent sur mon foulard. C'est parfait, c'est nickel. Là, je vous conseille encore une fois, les gars, d'aller bien sauvegarder, c'est important. Après, vous allez dans style, parachute, vous allez mettre parachute avec. Et bien évidemment, mettre le parachute que je vous ai dit d'acheter tantôt. Ça, carnet, combat, breclair. Tranquille, la team, on est posé. C'est une vidéo tranquille, franchement, petite tenue modée, ça fait toujours plaisir, c'est toujours bien. Donc voilà. Maintenant, on va se retrouver dans un yacht, les gars. Donc, que ce soit un yacht de votre pote, un yacht à qui vous voulez, on s'en fout complètement. Moi, c'est le yacht. Petite dédicace à la team Fries. Merci à tous d'être présents, la team. Et on va se diriger vers un hélicoptère. Si vous n'avez pas d'hélicoptère, il n'y a pas de problème, demandez à un ami ou quoi que ce soit. Ou même prenez un hélicoptère qui vient d'un aéroport ou quoi, il n'y a pas de problème. Vous allez dans les styles les gars et vous regardez bien qu'ils soient mis comme de quoi vous avez bien le port du casque de pilote
avec. C'est obligatoire de bien l'avoir, le port du casque de pilote avec. Vous allez rentrer dans un hélicoptère et regardez bien, vous voyez bien déjà que mon casque d'hélicoptère, enfin mon casque pour les avions se met sur mes oreilles. Maintenant, ce que je vais faire, je vais un petit peu monter et je vais en fait devoir atterrir dans le jacuzzi. Voilà, ou en tout cas dans de l'eau pour que votre personnage se pose. Voilà, regardez bien. Vous allez calmement dans le jacuzzi. Quand vous êtes à peu près dans le jacuzzi, que votre personnage, quand il sort, il est bien dans le jacuzzi, vous faites triangle et vous sortez tout simplement de l'hélicoptère. Et bon, vous voyez bien que je serai en tenue jacuzzi. Et là, j'ai bien mon casque de pilote qui se met sur ma tenue. Et c'est magnifique. Voilà. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, la team, c'est vous mettre simplement sur une moto. Allez dans style, port du casque moto avec. C'est bien obligatoire de bien l'avoir mis avec. Vous allez vous mettre sur une moto. Et votre personnage va mettre tout simplement son casque de moto. Là, vous voyez bien, quand je vais aller dans style et dans tenue, je ne peux pas changer de tenue. C'est grisé. Il n'y a pas de problème, les gars. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est faire flèche du haut pour aller sur parachute. Vous voyez même que si je suis sur tenue ou que je fais triangle, ça ne fonctionne pas. Regardez bien. Je vais aller sur parachute. Je fais triangle directement. Je redescends sur tenue. Et je vais sélectionner la tenue de tantôt. Donc, la tenue modé qu'on est en train de faire actuellement. À partir du moment où mon personnage est en train d'enlever le casque de moto, directement je spam la tenue pour en fait mettre la tenue modée plus le casque de pilote. Et vous voyez bien que la tenue elle est juste magnifique. Pour ajouter un petit plus, moi je vous conseille d'aller dans un magasin de vêtements, de prendre une tenue de pilote et tout simplement quand vous êtes dans un striptease, directement aller dans tenue désert. Donc vous êtes dans le club de striptease avec vos tenues d'aviateur. Vous allez vous changer votre tenue pour mettre votre tenue modée. Et là, boum, vous avez votre tuyau noir qui se rajoute. La tenue, elle est magnifique. J'espère que vous aurez tout compris. C'était Fryze. Prenez soin de vous, la team. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était vraiment une tenue magnifique. J'adore. Peace, la team.